Et les amis, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, je vais très très bien. Bon, alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble, hein, au niveau un peu de ta vie amoureuse, voilà, ce qu'il arrive à toi, hein, d'accord? Allez, on y va, on va découvrir tes petits messages. Allez, je voudrais s'il vous plaît des messages. Je vais faire deux coupes et on y va. Alors, dans la première coupe, j'ai un joli cadeau qui arrive à toi. Ouais. Il y a un accord avec ton autre. Voilà. Donc, je pense que vous allez discuter d'une réelle construction d'avenir à deux. Voilà. Vous allez discuter de ce que vous comptez faire ensemble. Donc lui, de son côté, va t'expliquer qu'est-ce qu'il aimerait faire avec toi. Voilà. Voilà. Donc lui, il va parler, il faut que tu l'écoutes, voilà, jusqu'au bout. Et ensuite, tu lui répondras. Si tu as les mêmes attentes dans une relation amoureuse avec lui. Voilà. Je pense que lui va vouloir vraiment te démontrer que tu es la femme de sa vie. Il va vouloir te prouver par une réelle action, pas des blabla ou encore du vent. Non, parce que parler, c'est bien, oui, mais acter, c'est mieux. Donc, lui va vouloir te prouver que il ne joue pas avec toi, qu'il ne s'amuse pas avec toi. Voilà. Et que il veut vivre à tes côtés. Voilà. Il va te dire qu'il veut vivre avec toi. Et il espère que tu vas lui répondre oui. Donc voilà déjà dans cette coupe. Je pense que il a été quand même un moment, comment dire, un moment quand même. Alors évidemment par rapport à ton autre, des autres, il y en a beaucoup, hein, faut le savoir. Hein. Il n'y a pas que un autre. Voilà, parce que moi, vous savez, j'ai déjà entendu des guidances où j'entends, par exemple, oui, ton autre va t'appeler, oui, ton autre va, oui, ton autre arrive, ton autre va t'appeler, ton autre va t'envoyer un SMS, ton autre va vouloir te voir, ou ton autre va vouloir te revoir, ou ton autre encore va te proposer ou la vie à la colle sous le même toit, ou ton autre va te proposer un pacs, ou ton autre va te proposer le mariage. Mais vous savez, le problème, c'est que rien que sur le continent français, combien il y a d'hommes hétéros qui ont une autre, une femme? Et ben moi, écoutez, des fois, je comprends pas. Non, moi j'entends des choses ou je vois des choses avec que je ne comprends pas. Après, c'est que mon opinion, c'est que mon opinion de médium avec et sans support. Mais il est, comment vous dire, il y en a, bah écoutez, moi ça m'exaspère, ouais, vraiment, moi ça m'exaspère quand des fois j'entends, oui, ton autre va te téléphoner. Oui, ton autre va t'envoyer un message. Oui, ton autre, il est dans un isolement. Oui, ton autre, il a du retard. Oui, ton autre, si.
Oui, ton autre ça. Et ton autre ci. Et ton autre ça. Moi, vraiment, ben, y a des choses que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, non. Ni dans la cartomancie, ni dans les médiums sans support ou avec. Et ce que j'adore, c'est qu'ils te disent, oui, alors ton autre a été bloqué. Oui, souvent sur des guidances publiques, oui, ton autre a été bloqué. Mais ton autre arrive. Mais ils vont pas te dire, ah non, sur la guidance, pourquoi ton autre, il était bloqué. Ou encore, ton autre a longtemps hésité, mais il arrive. Et même, ils vont pas te dire pourquoi il hésitait. Sur les guidances publiques. Oui, ton autre était très renfermé dans un isolement. Mais il arrive, hein? Mais ils vont pas te dire très souvent pourquoi il était isolé, renfermé, nanani, nanana. Très souvent. Ben, c'est-à-dire, il te parle que, ben, toujours la même chose. Alors, écoutez, il te rabâche toujours la même chose. Alors, ton autre arrive avec un très beau cadeau. Ah, tu vas être tellement heureuse. Du beau cadeau. Ouais, mais des fois, ils vont même pas te dire quel cadeau. Parce que des cadeaux, il y en a tellement. Alors, ça peut être un cadeau matériel, mais pas forcément. Ah, moi, ça, hein? Ah, ben, moi, ça m'exaspère. Voilà. Ah, ben, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand des fois, je les entends parler. Alors, je vais vous dire, hein, moi, j'en ai déjà parlé très souvent. J'écoute jamais des guidances sur YouTube. Non. Ni sur. Non. J'écoute jamais des vidéos de voyance sur YouTube ou sur Insta. Mais ça m'est déjà arrivé que mes yeux, au hasard, mais je cherche pas, que je tombe sur certaines choses et j'entends des trucs. Ah, mais je comprends pas, moi. Oui, tu vas être bien avec ton autre. Oui, tu vas être tranquille avec ton autre. Oui, tu vas être posé avec ton autre. Oui, mais bon, pour le moment, il n'arrive pas. Mais pourquoi il n'arrive pas? Oui, mais ton autre est en réflexion. Oui, mais pourquoi il est en réflexion? Oui, mais si, oui. Ben, ils expliquent pas. Et que ça soit d'ailleurs sur une guidance publique ou en privé, ben, il faut expliquer le pourquoi du comment. Ah ben des fois j'entends des trucs que je me dis, mais où je tombe? Moi, écoutez, des fois je me dis, oh my God. Ah, écoutez, alors je dis pas de nom. Ah non, je ne dirai pas de nom, par exemple, de chaîne de voyance. Hein, que ça soit des chaînes de voyance sur YouTube, ou sur Insta, ou sur TikTok, ou encore où tu veux. Mais alors, des fois, je me dis où je suis tombé. Écoutez, franchement, moi là, des fois je me dis, mais c'est moi qui suis dingue ou je sais pas. Et il vous rabâche. Ben, alors ton autre, quand t'es déjà en liaison avec quelqu'un, ouais, bon, ben t'as plus de nouvelles de ton autre parce que n'est pas très bien en ce moment, mais t'inquiète, il arrive. Ouais, mais ils vont pas. Très souvent, ils vont pas te dire pourquoi, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il n'est pas bien, pourquoi il t'appelle plus, ou pourquoi il t'appelle pas. Ah non, ah mais t'inquiète, hein, il va t'appeler. Ouais. Ou ah, je vois, il va t'envoyer un SMS, mais à l'heure d'aujourd'hui, il va pas très bien dans sa vie, du coup, il va te contacter incessamment sous peu. Un jour, 6 mois, un an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. J'adore ces gens-là, moi. Mon Dieu. Mais, ouais, d'accord, il est pas bien. Il est pas bien. Ouais, il est pas bien. Mais ils vont pas te dire, très souvent, ils vont pas te dire, pourquoi il est pas bien. D'ailleurs, s'il est pas bien, ça a rien à voir avec toi. Non, rien à voir avec toi. Donc, je vois pas pourquoi, hein. Ben, vos autres peuvent pas décrocher hein, leur cellulaire, que ça soit un téléphone portable ou le téléphone de chez eux ou encore via les réseaux sociaux hein, pour vous donner de leurs nouvelles. Mais c'est n'importe quoi.
Quand j'entends des fois certaines cartomanciennes ou des médiums sans support ou avec, ah, il est pas bien, c'est pour ça que t'as pas de nouvelles. Ouais, mais je vois pas le rapport, moi, parce que ça n'a strictement rien à voir avec vous. Ouais. Ah non, mais des fois. Mais il va t'appeler, hein. Si, si, il va t'appeler, hein. Incessamment sous peu, hein. Ou, bon, en ce moment, il pense beaucoup à toi, mais il réfléchit beaucoup. Mais t'inquiète, hein, il va revenir. Mais où est le rapport? Où est le rapport? Ouais, d'accord, il réfléchit. Mais que ça soit un homme, ton autre, ou une femme, ton autre, c'est pas une raison pour rester, pour laisser les gens sans nouvelles. Ah non. Et que d'ailleurs, ça soit un début de connaissance ou que vous êtes intime, c'est pas une raison. Non, c'est pas une raison valable pour pas donner de nouvelles à un être humain. Non, ben non, faut arrêter. Non, non, non. Quand on estime quelqu'un, que on n'est pas encore dépassé le stade de la connaissance, que non, c'est pas une raison. Je suis navrée, hein. C'est pas une raison, c'est que du blabla. Que du blabla. Et quand, par exemple, on est juste amis, connaissance, et qu'il y en a du jour au lendemain, écoutez bien, peu importe, hein, que ça soit une connaissance, et que du jour au lendemain, tu n'as plus de nouvelles, qu'il y en a, ils vont te dire, ah, il a des problèmes, il n'est pas bien, et patati patata, mais tu auras des nouvelles. Ben, c'est pas une raison. Ou encore, tu es ami avec un mec ou une nana. Que ça. Ouais, bon, j'ai plus de nouvelles. Oh non, mais il est pas bien, il a des problèmes dans sa vie. C'est pour ça que. Mais ça n'a rien à voir avec toi, donc c'est pas. Non, c'est pas normal que tu n'aies pas de nouvelles. Et si, par exemple, tu es intime en amour avec un homme ou une femme, hein, et que tu n'as plus de nouvelles, ben même si, même s'il se retrouve au chômage, ou qu'il a des problèmes professionnels, ou n'importe quoi, c'est pas une raison valable, ben non, pour pas de donner, non, de pas de donner de nouvelles à quelqu'un qu'on apprécie, ou encore que l'on aime. Non, ben c'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et en réalité, quand vous n'avez plus de nouvelles d'un homme ou d'une femme, et peu importe que ça soit une connaissance, un ami, que tu le connais de 20 ans, 30 ans, hein, peu importe combien ça fait que tu es ami avec un homme ou une femme dans la mixité, ou même entre deux femmes, deux hommes, t'as plus de nouvelles, parce qu'ils n'en ont plus envie. Tout simplement. Et en amour, c'est pareil. Il faut arrêter toujours, hein, mais c'est n'importe quoi. Parce que peu importe le lien qu'on ait, avec un homme, en amour, ou même en amitié, avec, c'est qu'ils n'ont pas envie, tout simplement. Il faut arrêter. Ils n'ont pas envie. Parce que quand, écoutez, peu importe l'état d'esprit qu'on a, peu importe les ennuis qu'on a dans sa vie, hein, quand on veut, hein, envoyer un message ou appeler quelqu'un, on le fait. Quand ils ne le font pas, c'est que ils ne leur ont pas envie de le faire. Navré. Mais bon, c'est vrai que bon. Enfin, moi, ça me fait de la peine. Eh ben, pour tous les hommes ou pour toutes les femmes, par exemple, qui attendent un autre, leurs autres, comme vous les appelez. Mais si. Quand est-ce que mon ex va revenir? S'il vous plaît, quand est-ce que mon ex va revenir? J'arrive pas à l'oublier. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de lui dans ma vie. Quand est-ce qu'il va revenir? Eh ben, quand ils reviennent pas, c'est que peu importe ce qu'ils vous diront, que ça soit des cartomanciennes, des médiums sans support ou avec, c'est que ils n'en éprouvent pas l'envie pour les ex. Non, c'est pas vrai. Je suis navré. C'est, faut arrêter. C'est de la foutaise. Quand ils ne reviennent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de revenir à vous. C'est tout. Et que ça soit un ex qui est personne dans sa vie, ou un ex, qui vit avec un autre gars ou un mec que vous, c'est que ils ne le veulent pas. C'est tout. Les triangulaires, c'est pareil. Écoutez, c'est bon. Les triangulaires, c'est pareil. Quand un homme vit avec une femme,
ou un homme quand tu vis avec un homme, quand il est gay. Quand, eh ben, il ne quitte pas pour vous un homme ou une femme, c'est qu'ils ne le veulent pas. C'est tout, faut arrêter. Et une femme, écoutez bien, hein, et une femme, quand elle vit avec un homme et qu'elle quitte pas son mec, c'est qu'elle le veut pas. C'est tout. Et une femme lesbienne, c'est pareil. Faut arrêter. Mais c'est n'importe quoi. Parce que quand on est amoureux de quelqu'un, on fait ce qu'il y a à faire. Ah ben, croyez ce que vous voulez. Hein. Moi, mais bon. Moi, je vous le dis. Moi, je m'en fiche. Hein. Ben, c'est pas moi. C'est pas moi qui attends un ex. Hein. C'est vous qui attendez des ex. Hein. Ah ben, attendez. Hein. Attendez encore. Hein. Et qu'ils soient à l'heure d'aujourd'hui célibataires ou plus, ben, attendez encore. Et dans les triangulaires, c'est pareil. Ben, attendez encore. Et peu importe d'ailleurs combien ça fait que vous êtes en triangulaire et que vous attendez un homme ou une femme, eh bien attendez encore. Attendez encore 6 mois si ça vous dit. Ou encore 1 an si ça peut vous faire plaisir. Encore 2 ans dans le futur, 5 ans dans le futur, même 10 ans dans le futur, hein, si ça vous fait plaisir. Moi, je ne suis pas concernée. Hein. Mais moi, ça m'écœure pour vous. Si ça me fait de la peine. Eh ben, et les célibataires, oh, pauvre. Alors les célibataires, ah oui, bonjour, quand est-ce que je vais rencontrer le grand amour auprès d'un homme ou d'une femme? Et des fois, j'entends des trucs que je me dis, c'est pas possible. Hein? Quand je les entends, certaines cartomanciennes, hommes, femmes, des médiums sans support ou avec, alors oui, alors je vois que vous allez rencontrer le grand amour de votre vie ou incessamment sous peu. Ça arrive, ouais, ça arrive. Mais vous n'avez pas plus d'infos? Ben, votre grand amour de votre vie va arriver entre 1 jour à 6 mois. Ah, super! Ah, ça va, c'est pas trop long. Et après, quand ça dépasse, ah, ma foi, j'ai toujours pas rencontré le grand amour de ma vie. Ah ben, ils sont dangereux. Ceux qui datent, oh, pauvre, comme ils sont dangereux. Ou alors, oui, bonjour, je suis célibataire, est-ce que je vais rencontrer le grand amour? Oui, d'ici à peu près 1 an, grosso modo. Et quand ça dépasse, les gens, ils sont dégoûtés. Ou alors, oui, bonjour, madame la cartomancienne, dites-moi, je vais rencontrer le grand amour de ma vie. Ah ouais, je dirais sous 2 ans. Et il y en a, c'est que ça. Ah ben, à croire que la voyance, c'est où? Entre 1 jour et 1 an, ou sous 1 an, grosso modo, ou encore un maximum dans les 2 ans. Mon Dieu, que c'est comique. Mais alors moi, vous savez que maintenant, avec les années et tout ça, ah ben ça me fait rigoler. Pas pour vous, hein, parce que franchement, quand tu es un homme, une femme célibataire et que vous allez consulter ce genre de voyant qui vous assure que entre 1 jour à 6 mois, vous serez plus célibataire, ou sous 1 an, grosso modo, ou maximum dans les 2 ans, alors qu'en réalité, oui, c'est possible, ouais, mais pas pour tout le monde. Après, il faut pas s'étonner, hein, que vous soyez écœuré. Ah, ben, ça. Parce que c'est pas tous les célibataires en France et dans le monde entier, quand ils consultent des voyants, qui vont tous se rencontrer le grand amour de leur vie, soit entre 1 jour à 6 mois, comme certains le disent, ou encore, grosso modo, sous 1 an, ou maximum dans les 2 ans. Certains, oui, mais pas tout le monde. Vous savez combien on est d'humains sur le globe? Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, comme je consulte pour moi, bah, quand elle me dit que c'est entre 1 jour à 6 mois, bah, ça va arriver. Ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et c'est pas parce que tu consultes pour toi que même si ces voyants te disent que tout va t'arriver entre 1 jour à 6 mois, que forcément ça va t'arriver. Ou que tu consultes un voyant et qu'il te dit tout va vous arriver
grosso modo, sous un an, que forcément, ça va t'arriver. Et même si tu consultes pour toi, ou même, il y en a, ils vont te dire, ah, tout va vous arriver maximum dans les 2 ans. Eh ben, même si tu consultes pour toi, eh ben, c'est pas pour autant que ça va t'arriver sous les 2 ans. Ça dépend des humains. Mais ils sont dangereux, ces gens-là. Ou alors, il y en a, ils ne pratiquent pas les datations, mais ils vont te dire, ah mince, il y a la carte du retard. Ah, flûte. C'est quoi votre question? Ben voilà, je suis célibataire. Vous pensez que je vais rencontrer quelqu'un de bien, de sincère, de fidèle, qui va pas me tromper et que ça va durer jusqu'à ce qu'on parte au paradis? Et quand ils ont la carte du retard, ceux qui disent pas le séquent, ils vont te dire, ah oui, vous allez bien rencontrer le grand amour, mais il y a quand même un peu de retard. Hein. Bon, c'est pas un retard de 5 ans ou de 10 ans. Est-ce qu'ils en savent? Rien du tout. Ou la carte du retard. Voilà, madame la cartomancienne, est-ce que mon ex va revenir? Ah, j'ai la carte du retard. Ah là là, il y a du retard, mais bon, pareil, c'est pas un retard de 5 ans. Hein. Votre ex va bien revenir, mais il a des problèmes dans sa vie à régler, mais il va revenir. Ah, c'est sûr, hein, vous me direz. Hein, ouais, vous me direz. Ben, qu'est-ce qu'ils en savent? Rien du tout. Mon Dieu, ou les triangulaires. Voilà, je suis amoureuse d'un homme ou d'une femme, ouais, mais il est en couple. Ouais. Ah, il a du retard, hein. Mais il va bien quitter sa nana ou son mec pour vous. Hein. Bon, il n'y en a pas pour 10 ans, hein. Ça va, hein, ça va aller. Qu'est-ce qu'ils en savent? Mon Dieu, un scandale, ces gens-là. Un scandale. Et combien, hein, d'années en années, des hommes et des femmes consultent ce genre de voyants. Eh ben, soit leur c'est qui disent le c'est quand, et en réalité, ils ne sont même pas sûrs, même s'ils te disent c'est sûr, ils, non, rien n'est sûr. Mais il y a plus de chances, écoutez, mais ceux qui te disent, quand ils te disent 1 jour à 6 mois, ou 1 an, ou maximum dans les 2 ans, il y a de grandes chances que ça t'arrive. Ouais, mais pas forcément quand ils te le datent. Hein. Et ceux qui pratiquent pas les datations, mais, ah, le retard. Eh ben, ça peut être, même s'ils te disent, ah, c'est qu'un retard de 2 mois, autant c'est un retard de 6 mois, 1 an, et même davantage. Alors, ils me font rire. Ah ben, ils font grave rire. Ils sont dangereux. Bref, on y va, les amis. Donc là, moi, on me dit que tu es, amoureuse, soit d'un homme, soit d'une femme, qui est un instable de la vie, malheureusement, un homme ou une femme qui sait jamais ce qu'il veut. Un coup il veut, un coup il veut pas. Un coup il veut, un coup il veut pas. Un coup elle veut, un coup elle veut pas. Un coup il veut, un coup il veut. Voilà. C'est-à-dire que tu es amoureuse soit d'un homme, soit d'une femme, et toi, tu veux avancer avec elle, coûte que coûte. Tu veux, avec cet homme ou cette femme, évoluer avec lui ou elle. Tu vois? Toi, tu veux le ciel bleu avec lui ou elle. Tu veux le voir le plus souvent possible, cet homme ou cette femme. Recevoir de plus en plus d'appels téléphoniques de sa part à elle ou lui. Voilà. Tu veux faire ta vie avec lui ou elle de façon stable, posée et sérieuse. Tu vois, oui, toi, tu le veux. Mais l'homme ou la femme que tu connais, un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. Voilà. Son état d'esprit, à l'homme ou la femme que tu connais à l'heure où je te parle, c'est un homme ou une femme qui ne sait jamais ce qu'il veut. Ah ben déjà dans sa propre vie et du coup avec toi. Ouais. Il a un état d'esprit, l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes, à ne jamais arriver à savoir réellement ce qu'il veut déjà dans sa propre vie et du coup avec toi. Et ben c'est toi du coup qui l'attends. Et tu attends un homme ou une femme, eh ben, qui ne sait jamais, ben, réellement ce que lui ou elle veut. Voilà. Et alors, évidemment, au niveau, quand c'est les hommes, là,
Ah ben, il y en a, vous devez les connaître. Il y en a, ça doit faire, je sais pas, entre un jour à 6 mois que vous les connaissez, que ça soit un homme ou une femme. Pour d'autres, ça doit faire un an approximatif que tu connais un homme ou une femme. D'autres, bien plus. Mais concernant l'homme ou la femme de ton cœur, c'est un homme ou une femme qui n'arrive pas à se décider, qui n'arrive pas à se dire, allez, je vais essayer avec elle ou avec lui et on verra bien si ça marche ou pas. Parce que toi, tu veux le voir de plus en plus. Tu veux, eh ben, c'est-à-dire, tu veux pour commencer une relation sans vivre avec lui, mais en vous voyant le plus que vous pouvez. Vous appelez le plus que vous pouvez. Voilà. Et puis, ensuite, tu désires vivre avec elle ou avec lui. Mais l'homme ou la femme que tu connais n'arrive pas à se lancer. Non, il n'arrive pas. Voilà. Il se dit toujours, ouais, mais bon. Ah, écoutez, je rigole pas. C'est l'état d'esprit du mec ou de la nana que t'aimes. C'est un homme ou une femme assez changeant. Versatile. Il ne sait jamais, lui ou elle, ce qu'il veut. Avec toi. Jamais. Alors, soit, tu as affaire à un homme ou une femme où vous en avez parler à cœur ouvert et que il te l'a expliqué. Ok? Soit tu n'en as jamais parlé avec lui, mais tu constateras que la relation va stagner à un moment donné ou à un autre et tu n'avanceras pas avec cet homme ou cette femme. Donc, je te le dis. D'ailleurs, même si tu es très attaché à un homme ou une femme, il ne faut pas attendre. Non, on n'attend personne. On n'attend pas. Non, désolé. Moi, là, au niveau, vous voyez, c'est les deux premières cartes. On n'attend pas. Et même si tu l'aimes plus que tout, cet homme ou cette femme, toi, si tu veux avancer et comment te dire, oui, moi, je comprends, mes ancêtres aussi comprennent, par exemple, que tu veux pas un autre homme, tu veux lui. Tu veux pas une autre femme, tu veux lui ou elle. Parce que tu es très attachée et très amoureuse, hein, à cet homme ou à cette femme. Ok? Mais quand, par exemple, si tu es dans une relation de couple, mais que il ne te donne pas cet homme ou cette femme ce que tu désires toi, eh ben, il ne faut pas attendre. Non. Il faut que tu lui expliques ce que tu veux de lui. C'est-à-dire, si tu veux, par exemple, là, on me parle déjà des hommes et des femmes qui vivent dans les mêmes villes. Bon, eh bien, si par exemple, tu estimes que l'homme ou la femme que tu aimes dans la relation amoureuse ne t'en donne pas assez, tu dois lui dire, sans filtre à café et sans détour, et voir ce qu'il va te dire. D'accord. Ensuite, on me dit que pour d'autres couples qui ne vivent pas ensemble, à l'heure où je vous parle, vous vivez dans les mêmes départements. Eh bien, il faut que tu parles et que tu dises à l'homme ou la femme que tu aimes ce que tu veux de plus dans la relation avec elle ou avec lui. Pour d'autres, il y a des sacrées distances kilométriques qui vous séparent. Eh bien là, c'est pareil. Tu dis à l'homme ou à la femme ce que tu veux de plus dans la relation amoureuse et vous attendez qu'ils vous répondent de tous. Si ils vous répondent et que la réponse qu'ils vous donnent vous satisfait, bon, on y va et on avance. Si ils vous répondent une réponse qui ne vous satisfait pas, à vous de prendre la décision, hein, pour votre propre bonheur dans le présent et le futur. Ah ben, parce que avec ce genre d'homme ou de femme, vous pouvez, ça peut durer longtemps, hein,
Le jeu du oui, non, je sais pas, attends, mange. Et ces hommes-là ou ces femmes-là vont vous rendre dingue. Dingue. Alors, pas fou à vous enfermer à Édouard Toulouse. Hein? Non, mais bon. Ah, écoutez, voilà. Donc, tous ceux et celles qui ont quelqu'un dans la vie, mais qui ne vivent pas ensemble, ou au téléphone, vous leur dites vos attentes. Qu'elles voulaient plus, c'est sûr. Vous leur dites ce que vous voulez de plus en amour. Si ils vous disent OK, on y va, c'est bon. Si ils vous disent ouais, je sais pas, c'est trop tôt, à vous de voir. C'est trop tôt, à vous de voir ce que vous devez faire. Ou s'ils vous disent ben tu sais, je sais pas trop quand, laisse-moi encore du temps, à vous de voir. Ou s'ils vous disent peut-être d'ici 6 mois, à vous de voir. Ou peut-être sous un an, à vous de voir. Ou peut-être sous 2 ans, à vous de voir. À vous de voir. Parce que avec ce genre d'homme ou de femme, vous n'êtes pas prêt de vous en sortir. Moi, c'est mes ancêtres qui me le disent. Et que après, s'il n'y a pas, parce qu'il y en a, ils vont vous dire, ah, bon, ben peut-être qu'on vivra ensemble, que ce soit ceux qui vivent dans les mêmes villes, ou dans les mêmes départements, ou même à des millions de kilomètres. Alors, il y a ceux ben, qui vont vous dire, bon, ben, dans 6 mois, ou dans un an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, eh ben, vous pouvez dire, bon, ok, ben, on attend. Mais si, quand il arrive, ben, la date fatidique, et que il vous avait dit, admettons, on vivra ensemble sous 6 mois, et que il ne vous en reparle plus, ben c'est qu'il vous berce d'illusions. Ah mais si. Alors après vous pouvez les rappeler à l'ordre. Tu m'avais dit, écoute, qu'on vivrait ensemble sous 6 mois. On aménage ensemble. Si ils en remettent une couche qui vous disent non, encore 6 mois, un an, à toi de voir. Ah ben ils vous prennent pour des idiots et des idiotes. Si il vous avait dit, oh ben, dans un an, 2 ans, tu peux attendre un an, 2 ans. Mais la plupart du temps, ils vous en reparleront pas. Eh ben, vous pouvez les rappeler à l'ordre. Si ils essayent encore de gagner durable, à vous de voir. Ça va pas du tout. Mais je vous le dis, à vous de voir. Ah ben, il faut être ferme avec ces hommes et ces femmes comme ça. Ah ben, parce que avec cela, vous avez le temps. Et d'ailleurs, il ne faut pas, eh ben, concernant vos gars ou vos nanas, il ne faut pas avoir honte de les rappeler à l'ordre. Faut pas avoir honte de les rappeler à l'ordre. Il ne faut pas avoir honte. Ah non. Eh ben, écoutez, je vous le dis. Voilà. C'est-à-dire, selon combien ça fait de temps que tu es en couple avec un homme ou une femme, et que vous voulez vivre avec, et que ils sont là à vous dire, moi c'est mes ancêtres qui vous le disent, qui te dit le mec ou la nana, bah écoute, je sais pas trop quand on vivra ensemble, laisse-moi régler des choses dans ma vie, j'ai des problèmes dans ma vie, ah mon Dieu Seigneur, non 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 non. Et d'ailleurs, alors d'un côté, vous avez les célibataires. Les célibataires. Et de l'autre, vous avez les non-célibataires. Il y a les deux. Ah ben écoutez, donc il faut être très ferme, que ça soit des célibataires ou pas, et leur dire, bon, quand c'est qu'on vit ensemble. Quand c'est qu'on aménage ensemble. Si ils vous donnent une estimation, vous pouvez leur dire, ok, j'attends. Et quand la date fatidique approche, si par exemple il vous dit, je sais pas moi, bon ben écoute, on vivra ensemble en décembre 24, tu peux dire ok. Quand il arrive décembre 24, si il ne vous en reparle pas, c'est que c'était du vent, donc vous pouvez les rappeler à l'autre. Si il rajoute durable, à vous de voir. C'est votre vie, c'est pas la mienne. Ah ben ça.
Encore heureux, parce que franchement, faut en avoir envie. C'est pas possible des mecs ou des nanas comme ça. Ben, ils le font exprès pour gagner du temps, mais on se demande de quel temps. Ah, ben, parce que ça soit des célibataires ou pas, c'est que des hommes et des femmes qui, écoutez, alors quand ils sont célibataires, ils sont très bien célibataires. Ben, très bien à vivre seul et ils n'ont pas envie de vivre avec ni une femme, ni avec un homme. Et quand ils ne sont pas célibataires, eh ben, c'est qu'ils sont coincés. Ben, qu'ils vivent avec quelqu'un d'autre que vous. Et ceux-là, quand ils vivent avec quelqu'un d'autre. C'est que des hommes et des femmes, quand ils vivent avec quelqu'un d'autre et que vous voulez vivre avec eux ou avec elles, c'est des hommes déjà et des femmes qui, comment vous dire, ils sont plus heureux auprès de leur gars ou de leur nana, mais ils connaissent leur vie. Ils connaissent la vie qu'ils ont avec leur gars ou leur nana, mais si. Parce que pour certains, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils vivent en couple avec quelqu'un d'autre que vous, vous comprenez. Donc même si la vie avec eux n'est pas le top, eh ben ils se complaisent, si vous voulez, dans la vie qu'ils mènent avec leur compagne ou leur compagnon ou leur mari ou leur femme, vous comprenez, puisqu'ils les ont connus avant vous. Vous comprenez déjà, et même si il y a des disputes, des conflits, et que bien souvent ça ne va plus dans ces couples, ils ont vraiment du mal à dire je vais quitter ma compagne ou mon compagnon ou ma femme ou mon mari pour une autre femme ou un autre homme. Ils ont vraiment du mal avec ça, Yama. Et puis, ils se disent, en plus, bon, il va falloir que j'annonce à mon compagnon, ou à ma compagne, ou à mon mari, ou à ma femme, que je veux la séparation. Évidemment, hein, voilà, ils peuvent pas faire leur valise et se barrer comme ça. Quoique, il y en a, ils l'ont déjà fait. Mais, les hommes et les femmes dont je vous parle là ne feront jamais ça. Non, 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 c'est pas ce genre-là. Donc eux, bah écoutez, si ils quittent leur gars ou leur nana pour faire leur vie avec vous, eux, ils veulent parler à cœur ouvert, soit avec leur compagnon actuel, ou leur compagne, ou leur mari, ou leur femme. Voilà. Leur dire que voilà, que ça va plus du tout, et qu'ils veulent une séparation. Et rien que, oh là là, rien que de se dire, ben, parce que vous savez, quand tu annonces à ton compagnon, ou à ta compagne, à ton mari, ou à ta femme, que tu veux une séparation, tu fais pas tes valises comme ça et tu te barres. Non, c'est rare. Donc, après, il y a des conversations. Ouais. Eh ben, les hommes comme ça, ou les femmes comme ça, rien que de s'imaginer combien de temps ça va durer, ils perdent le courage. Le courage de se dire, bon, allez, aujourd'hui, on est lundi, hein, mais donc c'est une connerie. On est lundi, dès qu'elle arrive, ou dès qu'il arrive, je lui annonce que je la quitte. Que je la quitte. Alors après, il y en a, ils se disent, attendez, est-ce que je lui dis que je la quitte, mais pour personne, ou alors je lui dis que je le quitte ou que je la quitte pour faire ma vie avec un autre gars ou une autre nana? Ah ben ça aussi, j'y pense. Ah ben ça, parce que vous êtes de l'autre côté, ah attendez, donc c'est pas pareil. Ah ben, si... vous, de l'autre côté, vous êtes des femmes célibataires, eh ben, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Hein. Ou des hommes célibataires. Eh, parce que vous, ceux-là, ils ont personne. En face, si. Mais bon, des fois, c'est les deux. Hein. Ah bon, bref. Eh ben, ne pensez pas, eh ben, les gars ou les nanas avec qui vous êtes, pour ceux qui ne sont pas libres, eh ben, c'est pas
C'est pas des hommes, par exemple, quand leur nana ou leur gars débarquent, à les regarder droit dans les yeux et à leur dire, bon, écoute, tout est fini entre nous, ou tu pars ou je pars. Non, parce qu'écoute, je vais te dire franchement la vérité, je ne t'aime plus, et voilà, je ne t'aime plus, et franchement, je veux qu'on se quitte. Eh bien, ils ont du mal, même ça. Ah, mais si. Tandis qu'il y en a, ils y arrivent. Ah, ben, vos mecs ou vos nanas, ils sont pas comme ça. Donc, ah, ben, croyez ce que vous voulez. Alors, peut-être qu'avec vous, quand vous les avez au téléphone, ou par SMS, ou même ceux qui se voient en cachette, peut-être qu'ils vous disent que quoi? Ah, écoute, moi, franchement, je vais lui parler, je vais lui dire que tout est fini entre nous, que je ne l'aime plus, qu'elle m'insupporte et que je veux la séparation. Ouais, t'inquiète, je vais le faire. Non, mais ça me frotte. Mais si, écoute. Ah, mais si, si, je vais lui dire. C'est ça, ouais. Croyez-le. Mon Dieu. Ah ben, vous n'avez pas de chance parce que vos amoureux, hommes et femmes, c'est pas des... Écoutez, ils sont trop gentils. Les hommes et les femmes avec qui vous êtes, qui ont quelqu'un d'autre dans leur vie, avec qui ils vivent, ils sont trop gentils. Trop gentils et trop gentils. Mais si... Et en plus, ça leur fait de la peine. Ça leur fait de la peine. Ah, mais si, ils ont énormément de peine alors à s'imaginer... Ben, quand ils vont leur dire que c'est fini. Pas vous, hein, mais non. Ils se disent, mon Dieu, elle va être dans quel état, je vais lui dire. Non, mais elle va se mettre à crier, ou à pleurer. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ah, mais là, parce que leur nana, écoutez, leur nana, ah, ces mecs, ils les connaissent, hein. Ah, ben ça, les mecs qui sont avec une autre nana que vous, ils connaissent la nana. Ouais, hein? Ah ben, les mecs, pour les mecs qui sont avec une nana, ils connaissent leur nana. Et les nanas qui sont avec un mec, qui veulent quitter un mec pour faire leur vie avec un autre gars. Pareil. Ah ben, ils se connaissent quand même, un minimum. Du coup, les hommes qui veulent quitter une femme pour vivre leur grand amour avec une autre, eh ben, ils connaissent leur nana. Et ils savent comment elle va réagir. Et comment elle va prendre la rupture? Ah ben, alors entre tout, je vous dis pas. Ah ben ça, eh ben ils n'y arrivent pas. Alors peut-être que à vous, devant vous au téléphone où vous voulez, ils sont là à faire les mecs ou les nanas. Ouais non, mais t'inquiète, je gère, je gère. Si si, je vais y arriver. Mais ils vont y arriver, mais quand? Dieu seul sait quand. Du coup, ben pour tous les hommes, pour toutes les femmes, hein, qui attendent un homme ou une femme qui vit avec quelqu'un d'autre, afin de vivre votre grand amour, ben c'est difficile pour eux, ils ont beaucoup de mal à tout quitter. Ah ben, ils ont du mal à parler à leur nana ou à leur gars. Mais ça va venir, disent les guides. Si, si, si. Ben parce que ils sont très amoureux de vous. Donc, je vois un homme, il est très, très amoureux d'une nana, mais il vit avec une autre. Et il perd courage chaque fois quand il doit annoncer à l'autre avec qui il vit que c'est fini. Donc, il a beaucoup de mal. Mais il va lui annoncer. Parce que il t'aime de tout son cœur et la vie loin de toi, et c'est très dur pour lui. Et comme il t'aime d'un amour démesuré, il ne veut pas te perdre. Non, il ne veut pas te perdre. Et il sait de toute façon que s'il quitte pas la nana avec qui il est, de toute façon, tôt ou tard, tu finiras par le quitter. Donc, il va le faire. Donc, l'homme que tu aimes et qui est avec une autre femme, s'il va prendre les choses en main et annoncer à la nana avec qui il est, tout est fini. Voilà. Donc, attends-toi à ce que il t'annonce que ça y est, il a quitté une autre femme pour toi parce qu'il est très amoureux de toi. Voilà. Tu vas sauter au plafond tellement que tu vas être contente.
Bon, voilà, donc c'est voilà, je vois un homme qui va quitter enfin une femme et il va venir, ben, vous allez vous voir, il va te dire que ça y est, il a tout quitté pour toi parce que, eh ben, il t'aime de ouf. Voilà, tu vas être très contente. Après, au niveau des hommes ou des femmes célibataires avec qui vous êtes en lien et qui n'a pas les triangulaires, ils vont finir, si, si. Ça arrive aussi, on me dit que l'homme ou la femme que tu aimes et qui n'a pas une autre nana ou un autre gars dans sa vie, va enfin, si, prendre la décision d'évoluer très sérieusement avec toi et il y aura une évolution et une vie en commun, donc tu vas être très contente. Très très contente. Voilà, en tant que femme célibataire, amoureuse de cet homme. Voilà, hein. Puis il sait que tôt ou tard, il va te perdre et il sait pertinemment qu'il est dingue de toi. Tu vois, il peut pas vivre sans toi. Et d'ailleurs, toi non plus, tu peux pas vivre sans lui. Donc, tous ceux aussi qui n'ont pas des triangulaires, votre relation va se débloquer et enfin, ils vont vous donner ce que vous voulez, hein, d'un point de vue affectif. Voilà, donc c'est très très bien, ok? Et pour les triangulaires, c'est pareil, voilà. Je vois un homme enfin qui va se décider et qui va annoncer vraiment à la femme avec qui il est, ben voilà, il ne l'aime plus, et il veut la séparation. Et tu vas être très contente d'ailleurs, toi, hein, que enfin, ben, que enfin, ils prennent les choses en main, ils disent à la nana avec qui il est que c'est fini. Donc vraiment, tu vas être heureuse et vous allez pouvoir enfin vivre votre amour comme vous le souhaitez. Ok? Donc voilà, je vous fais des bisous, bye bye.